VAR 3945 qui sont venus nous présenter des véhicules d'époque datant des années 39-45. Donc cette association, à sa manière, contribue à entretenir et à perpétuer le devoir de mémoire. Mesdames et messieurs, chers amis, la cérémonie du 70e anniversaire de la libération de Manosque et des débarquements de Normandie et de Provence, à laquelle vous allez assister, se déroulera exceptionnellement en deux parties. En effet, ces derniers jours, s'est rajoutée l'attribution de la Légion d'honneur à M. Fernand Berger, 98 ans, ancien de la 2e division blindée du général Leclerc, qui débarqua en août 1944 en Normandie sur la plage de Tabuch. Monsieur Berger a souhaité que la cérémonie de remise de la Légion d'honneur par Monsieur le sénateur Claude Demezel se déroule devant le monument départemental de la Résistance. Comment refuser une telle demande émanant d'un si brillant combattant dont les états de service seront rappelés par Monsieur le sénateur dans quelques instants. Monsieur Berger et le porte-coussin rejoignent Laurent Dassin. Dans quelques instants, la croix de chevalier de la Légion d'honneur va être remise à M. Berger. Cette distinction existe depuis plus de 200 ans. Elle a été créée par Bonaparte, qui était alors premier consul,
et qui a fait inscrire dans la loi du 29 Floréal en 10 ou 19 mai 1802 que la Légion d'honneur récompense les services civils et militaires exceptionnels rendus au pays. C'est une distinction de mérite individuel et de portée universelle que le premier consul avait imaginé ainsi. Il faut créer un ordre qui soit le signe de la vertu, de l'honneur, de l'héroïsme. Une distinction. En 212 ans, cette croix est venue honorer un grand nombre de Françaises et de Français, ainsi que quelques étrangers. En 2 siècles, l'ordre de la Légion d'honneur a traversé différents régimes et a ainsi connu 2 empereurs, 3 rois et 5 républiques. Pour autant, il n'a subi que des modifications mineures, même si certains, comme en 1848 et en 1870, avaient songé à le supprimer. L'ordre de la Légion d'honneur comprend 3 grades, chevalier, officier, commandeur. 2 dignités, grand officier et grand croix. Le président de la République en est le grand maître. À la fin du Premier Empire, il y en avait 32 000. On en comptait 300 000 en 1960. Aujourd'hui, il y a 92 000 légionnaires et 3 000 nouveaux chevaliers sont nommés chaque année. 2 tiers à titre civil et 1 tiers à titre militaire. Le président Sarkozy a décidé de donner aux femmes la place entière qu'elles méritent au sein de l'ordre, en imposant la parité dans les nominations de chevaliers et maintenant aussi dans les promotions aux différents grades. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui au pied de ce monument départemental de la Résistance pour honorer M. Fernand Berger, né en 1917 à Martinfray, situé à 200 km au sud d'Oran. Fernand, issu d'une famille de 5 enfants, a perdu sa mère lorsqu'il était très jeune. Il a été élevé par ses frères et son papa, agriculteur aux portes du désert. Les conditions de vie étaient, vous l'imaginez, très dures. Alors qu'il faisait son service militaire, la guerre est déclarée et il va être mobilisé. Il a porté haut et fier les couleurs du drapeau français lors de la Seconde Guerre mondiale. Homme humble et simple, c'est donc par hasard que son histoire a été portée à ma connaissance par Michel Quillès, dont je salue ici l'implication pour la mémoire de cette période tragique de lutte contre le nazisme. Fernand a risqué sa vie tout au long de ses combats en première ligne. Engagé volontaire dans les forces françaises libres au sein de la 2e DB du général Leclerc, il est un des acteurs qui ont permis de lutter contre le nazisme et de l'éradiquer pour ramener la paix en France et en Europe. Son dévouement et sa bravoure l'ont fait participer à l'aboutissement du serment de Couffrat fait par le colonel Leclerc. En 1937, M. Berger avait été appelé sous les drapeaux pour effectuer son service militaire d'une durée de 2 ans dans le 9e bataillon de chasseurs alpins à Antibes. En septembre 1939, sans quitter l'uniforme, il est maintenu pour se diriger sur la frontière italienne, puis en Alsace, puis dans la campagne de Norvège. Il revient en France à Brest le 7 juin 1940 pour contrer l'offensive allemande dans la Somme. Là, Fernand est fait prisonnier par les nazis le 12 juin 1940 à Sainte-Valérie-en-Caux. Après des marches forcées de 50 km par jour, il est interné dans le Stalag 100 de Béthune, dans le Pas-de-Calais, le 25 juin 1940. Après 5 mois de captivité, il est hospitalisé à Béthune suite à un traumatisme crânien. En fait,
Je pense que le traumatisme crânien était plus un prétexte pour être hospitalisé parce qu'il y avait un plan d'évasion à partir de l'hôpital. De là, de l'hôpital, il s'évade le 22 décembre 1940 et après avoir passé la ligne de démarcation à Vierzon, il rejoint Châteauroux le 24 décembre 1940 où il est dirigé vers Nice pour être démobilisé et retrouver sa famille. Il est donc démobilisé. Mais en juin 1941, juste le temps de retrouver ses esprits, désireux de continuer la lutte, il s'engage dans l'armée d'Afrique à la 7e Légion de la Garde à Batna. En 1943, il participe à une bataille victorieuse contre les troupes du maréchal Romain pour la reprise de Garça sur la frontière algéro-tunisienne. Puis, il rejoint les troupes des forces françaises libres du général Leclerc au sein de la 2e IDV. En avril 1944, il embarque à Merseyskébir, proche d'Oran, pour Liverpool, en Angleterre. Le 1er août 1944, donc après le débarquement du 6 juin, il débarque en Normandie sur la plage du Tabiche. Il participe à tous les combats acharnés où est engagée la 2e DB, Coutances, Avrance, Mortain, Le Mans, Argentan, C. Puis, c'est la direction de la Seine pour entrer dans Paris en liesse le 24 août 1940. Il défile sur les Champs-Élysées. Direction Strasbourg, où il participe à la libération de cette ville, ultime étape du serment de Koufra. Enfin, à Colmar, son unité fait la jonction avec la première armée française du général Delattre et Tassigny, débarquée le 15 août 1944 en Provence. Enfin, Fernand est cantonné à Nemours, en région parisienne, avant d'être dirigé vers Meknès, au Maroc. Après un tel parcours, Fernand aurait dû recevoir des insignes dans la Légion d'honneur depuis très longtemps. Homme humble et discret, Fernand gardait pour lui ses très honorables actes militaires. Compte tenu de ce passé prestigieux, je n'ai rencontré aucune difficulté à convaincre le ministre de la Défense pour qu'il lui soit décerné la médaille de chevalier de la Légion d'honneur. Aujourd'hui, c'est pour moi un grand honneur de remettre cet insigne à un valeureux soldat qui a participé à la libération de notre pays. C'est pour moi un grand plaisir de dévoiler aux Manosquins quel grand personnage fut celui qu'on pouvait appeler berger auto-école et qui a appris à de nombreux Manosquins à bien conduire. C'est aussi l'occasion pour moi de rendre hommage à toutes ces femmes et ces hommes qui ont combattu, souvent dans l'ombre, pour que flotte dignement notre drapeau tricolore, pour que soit donnée toute leur valeur aux mots liberté, égalité, fraternité. Je souhaite enfin que cette cérémonie soit placée sous le signe de la paix. Toujours aussi fragile, comme le démontrent malheureusement les événements actuels. Quelques mots civils, si je puis dire, de Fernand, qui se marie en 1947 avec Yvonne. Ils auront deux enfants, Jean-Luc, né en 52, et Alain en 54. Une fois démobilisé, Fernand achète un garage et monte une auto-école en Algérie. C'est une activité professionnelle qui fut réussie. En 1962, la famille est confrontée à une douloureuse étape de la vie, quitter la terre natale. Comme de nombreux pieds noirs, c'est une arrivée chaotique en France, avec un minimum de bagages et beaucoup de souvenirs dans les cœurs. Arrivé en France dans ces circonstances très éprouvantes,
Fernand trouve un travail dans une auto-école basée à Aix-en-Provence et à Manosque. Mais Fernand, d'un caractère entreprenant et courageux, il décide de monter sa propre affaire où il va connaître avec son épouse une vie consacrée au travail, mais aussi une belle réussite professionnelle à la joie et à la satisfaction de tous ses élèves. Puis, dans les années 1980, il prend sa retraite. Aujourd'hui, Yvonne, son époux, Jean-Luc et Alain, qui sont par là, ses enfants, leurs trois petits-enfants et deux arrière-petits-enfants, ont la joie de voir ici, devant ce monument aux morts, leur mari, père, grand-père, récompensé pour ses actes militaires courageux. Sa passion, le vélo, qui sera stoppé par une mauvaise chute sur le verglas qui lui vaudra deux opérations et une prothèse à la hanche. Du coup, ne pouvant plus faire de vélo, il se met à jouer au bridge. Discipline où il se fait le luxe d'être honorablement classé tant au niveau départemental que national. Je peux le dire, à 97 ans, Fernand entretient toujours son jardin, tandis que Yvonne, son épouse, je me garde bien de dire son âge, mais qui est sa cadette de quelques années, marche, elle, 1h30 par jour, au même pas que son fils d'ailleurs. Leur rage de vivre explique sans conteste leur longévité. Vive la paix, vive la République. Fernand Berger, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Du colonel Jean Vial, qui est au comité départemental de la libération, alors qu'il se rend à une... avec 11 autres camarades, il est emmené à Marseille, dans le vallon de Signe, dans le Var, où ils sont fusillés. Louis... Première allocution, celle de M. Reynaud, qui était l'ancien de la première armée française, qui est débarqué sur les côtes de Provence. C'est un honneur de le recevoir. De la résistance par Mme Besson et Mme Mérouillon. Gerbe de l'amitié franco-américaine Benen Dudley par M. Killes et M. Berger.
De l'amicale de la Légion étrangère de Puy-Loubiers et des anciens combattants de traite. Venir saluer les porte-drapeaux. Celles et ceux qui ne monteront pas sur la ligne, je vous invite
a monté bien sûr sur le terreau. Les véhicules ont fait deux tours de ville, monteront sur le terreau et nous porterons le verre de l'amitié tous ensemble à présent. Ça marche.